Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo make-up blabla. J'avais envie de continuer un petit peu la FAQ maîtresse que je vous avais proposée la dernière fois, mais j'avais pas eu le temps de faire toutes les questions. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour des réponses à des petites questions sur ma vie de maîtresse. Et en plus de ça, je vais vous faire un make-up assez simple, mais avec des produits petit prix. Donc là, j'ai sorti que des produits quasi de la marque Biss Cosmetics. Je vous montre un petit peu, voilà. Ils m'ont envoyé un petit colis avec plein de petites choses à tester. Je suis trop contente parce que c'est une marque dont j'ai beaucoup entendu parler sur pas mal de chaînes, mais j'ai jamais sauté le pas. Je vous ai sorti les pinceaux BH Cosmetics parce que je les aime beaucoup. Ils sont vraiment pas chers. Ceux-là, je les ai payés 10 € ou 11 € je crois, le lot, donc vraiment pas cher. J'ai sorti aussi des produits de la marque W9 parce que j'ai pas forcément tout dans Biss Cosmetics. Donc W7, pardon, pourquoi j'ai envie tout le temps de dire W9? W7, donc au niveau quelques petits produits. Et puis sinon, ce sera du Biss Cosmetics. Donc, c'est parti pour ce début de vidéo. Au niveau du fond de teint, j'ai toujours ma petite éponge comme ça qui vient du Sitaoua, je crois. Et là, ça va être le Sérum Foundation Medium Beige. Donc, j'espère que ce sera pas trop foncé. Ça m'a l'air un peu foncé quand même, hein. Je pensais que ça allait être clair, mais bon. Écoutez, il a l'air pas mal. C'est une sorte de sérum comme ça, en produit assez liquide, hein, et en pipette. Donc ça peut être plutôt sympa au niveau de l'utilisation. Alors, je sais absolument pas où le mettre. Est-ce que je le mets directement là, ou est-ce que je le mets là? Bon, il est hyper fluide. C'est pas facile à mettre, je trouve, avec une éponge, mais ils se font plutôt bien à la peau. La couleur, ça a l'air d'aller, finalement. C'est pas du tout trop foncé, donc ça a l'air d'aller. Tant mieux. Au niveau de l'anti-cerne, je vais tester donc celui-ci que j'ai reçu aussi, c'est le All Day Wear. Je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre d'infos. C'est la teinte 02 médium beige, encore une fois. C'est un packaging plastique comme ça, et l'embout est assez fin, c'est traditionnel. Donc on va voir. Ou en revanche, lui, il me paraît un peu trop foncé. Enfin, en tout cas, il va pas illuminer ma cerne, quoi. Après, il va peut-être... Illuminer ma cerne, illuminer mon teint, mais il peut cacher un petit peu ma cerne qui est un petit peu bleutée. Mais ouais, il est un petit peu trop foncé, je trouve. Ça, c'est dommage. Là, j'aurais peut-être dû choisir le 1. Je sais plus ce que j'avais choisi, je vous avoue. J'ai vu sur la chaîne de Nono la Fée qu'elle avait passé une commande sur ce site-là. Du coup, ça m'a donné aussi envie de tester. Quand je vois pas mal de produits sur les chaînes comme ça me donne envie de tester. Là, je suis contente de me faire un avis, surtout avec des produits comme ça un peu petit prix. Le fond de teint, en tout cas, j'aime bien le rendu. Il est assez fluide, il est léger sur la peau, il fait pas un effet plâtre. Et c'est ce que j'aime, c'est assez naturel. Le concealer, bah, j'ai connu mieux. Après, il est un peu trop foncé, je trouve. C'est dommage. La couleur en dessous aurait été pas mal. Il marque un peu mes zones de sécheresse, mais ça va. Ça va. Là, j'ai pas trop de cerne en même temps, je suis pas mal reposée, donc c'est pas mal. Mais ouais, ça va, ça va. Honnêtement, j'ai pas trop grand chose à lui dire, à critiquer, quoi. Il est pas trop mal, mais il fait un effet un peu. Je sais pas si vous verrez, mais ouais. Je suis pas trop trop fan de l'anti-cerne parce que, en fait, de près, si on regarde bien, il fait des effets un peu de matière au niveau de la cerne. C'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre. Bon, je vais commencer par la première question quand même, parce que vous attendez ça, hein, que je réponde aux questions. Donc la première question que j'ai eue, c'est... Est-ce que c'est une charge morale importante de devoir travailler le soir en rentrant? Je ne sais plus si j'y ai répondu dans ma dernière FAQ, je suis pas sûre. Mais quand on choisit le métier de l'enseignement, oui, il faut se dire qu'on va travailler tous les soirs, et le week-end, etc. Et les vacances, hein, faut pas croire, les enseignants travaillent pendant les vacances, oui. On bosse pas mal pendant les vacances. Et du coup, il faut se le dire en fait en tête. Faut pas se dire, je fais ces métiers pour avoir des vacances, pour pas trop travailler, parce qu'on travaille que 27 heures, gna 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 gna. Non, 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 clairement, c'est pas pour ça qu'on fait ce métier-là, parce qu'on travaille extrêmement... Enfin, on travaille vraiment beaucoup le soir. Moi, je corrige à peu près 2 heures le soir, pas tous les soirs parce que j'essaye de m'organiser, mais dans la semaine, je corrige vraiment beaucoup pendant mes pauses, etc. Toutes mes pauses à l'école, c'est pour corriger. C'est rare que je sois en train de prendre mon petit café tranquillou, hein, c'est assez rare. Donc voilà. Et souvent, quand je dois corriger mes cahiers du jour, etc. Bah, ça me prend bien 2-3 heures, que ce soit à l'école ou des fois je ramène mes cahiers à la maison. Et du coup, bah, c'est à la maison que je corrige, hein, parce que j'ai pas trop le choix des fois. Faut que je rentre quand même. Donc du coup, ouais, faut quand même se dire qu'il y a du boulot le soir et pendant les vacances et les dimanches pour préparer sa semaine. Enfin, il y a du boulot tout le temps. Quand on est enseignant, et ben, il faut bosser tout le temps. Là, j'ai testé la Banana Dreams, la loose powder. Elle a l'air pas mal du tout. Elle a l'air hyper fine. Moi, j'utilise vraiment que sur ma zone T et mon contour de l'œil. Et elle a l'air pas mal là de chez W7.
Pour le teint, je vais utiliser, donc pareil, vous allez voir, le toujours de chez WZ, le bronzer en Honolulu, le Cheeky Flusher en blush. Et après, en enlumineur, je vais vous montrer, c'est un enlumineur de bis qui me faisait trop de l'œil, je suis trop contente de le tester. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, par rapport à mes dépenses sur Harry Potter, tout ce que j'achète pour ma classe, est-ce que je suis remboursée? Eh bien, pas tout. Par exemple, les pop, etc. Je suis pas spécialement remboursée, forcément, c'est un peu gadget, c'est pas obligatoire. Mais quand j'achète des livres Harry Potter ou des choses qui vont me permettre d'enseigner et de travailler en littérature ou dans d'autres domaines sur Harry Potter, oui, je suis remboursée, mais pas tout. Il y a des choses qui sont remboursées par ma coopérative, mais j'ai pas envie d'abuser. Moi, j'aime bien dépenser pour ma classe. Et je peux pas demander à mon directeur de rembourser toutes mes dépenses, même chez Action. Quand je dépense pour faire une activité manuelle, oui, il me rembourse bah, le matériel que j'ai acheté, mais sinon, il me rembourse pas tout, forcément. Alors, ce petit Honolulu, là, de chez W7, il est vraiment pas mal, mais là, j'arrive pas trop à le prendre avec les pinceaux BH Cosmétiques. J'ai pas un pinceau pour bronzer, en fait, dans ce que j'ai. J'en utilise un autre, d'habitude, mais bah, je l'ai pas là. Donc c'est pas grave, je m'adapte. Là j'ai pris un qui ressemble un peu à ça, c'est le numéro 3, on va dire que ça marche, mais celui-ci il était pas mal pour le contour de l'œil, le contour des yeux. Là pour le bronzer il est moyen. Il y a une question sur mes études, quelles études j'ai faites pour être enseignante, professeur des écoles. Je vous ai fait une vidéo à ce sujet, j'essaierai de vous la remettre en barre d'infos ou dans le petit i. Mais en gros, j'ai fait un bac littéraire, ensuite j'ai fait un master d'art, puisqu'à la base je voulais être prof d'art plastique au collège. Donc j'ai fait un master d'art, puis finalement quand j'ai travaillé dans les écoles primaires, en tant qu'AVS, etc., dans les CLIS, anciennement CLIS, maintenant on appelle ça des ULIS, bah ça m'a beaucoup plu, donc je me suis redirigée pour passer le concours de professeur des écoles. Donc bah j'ai fait ma licence, j'ai fait une licence d'art, un master d'art, et ensuite j'ai basculé dans un master sciences de l'éducation pour la petite enfance, enfance et petite enfance, et du coup j'ai passé le concours du CRPE. Voilà en gros mes études, mais je vous ai fait une vidéo vraiment dédiée, si vous voulez vraiment tout savoir au niveau des détails et tout. Vous êtes nombreux à me poser des questions pour le concours du CRPE, mais honnêtement j'ai passé le concours il y a très longtemps, je ne sais même pas encore aujourd'hui quelles sont les épreuves qu'il y a. Souvent c'est en deux parties, écrit, oral, ça n'a pas changé, mais après au niveau des épreuves et tout ça, je vous avoue que je me suis pas rebaignée dedans, vu que ça fait quand même 10 ans presque que j'ai passé le concours. Donc j'ai reçu de la part de Biss le Diamond Highlighter, la teinte énergie, et honnêtement je suis deck parce que je l'ai fait tomber dès que je l'ai reçu. Il était arrivé nickel, et moi, tel un boulet, je l'ai fait tomber. Donc il a été un petit peu cabossé à des endroits, vous verrez peut-être pas sur les bords, mais il a quand même tenu. C'est vraiment un très très joli highlighter, je suis trop contente de pouvoir le tester, et je vais le tester avec ce petit pinceau là, le numéro 5 de chez BH Cosmetics. Je suis trop trop contente, il a l'air très très bien pigmenté. Alors c'est un vrai doré chaud, j'espère que ça va aller à ma carnation. Oh là là, ah bah alors la pigmentation est au rendez-vous, hein. Ouh, je l'ai peut-être mis un peu trop. Waouh, il est vraiment très beau. Je sais pas s'ils en avaient un autre dans les teintes rosées, mais je me dis qu'un petit rosé comme ça, ça pouvait être pas mal du tout. Je vais regarder sur le site, mais s'il y en a un rosé, ça peut peut-être être beaucoup mieux pour ma carnation. Il est très beau, il est vraiment très bien pigmenté, hein. Vous le voyez très très bien là. Oh, il est super bien pigmenté, je suis assez épatée. Ça, vraiment pour le prix, ça vaut trop trop le coup. Voilà, si vous voulez vous faire des petits plaisirs à petit prix, ça vaut vraiment le coup, c'est une petite pépite. Tout comme le fond de teint, vraiment le fond de teint il est vraiment pas mal. Au niveau des sourcils, je vais utiliser mon petit crayon Make Up Revolution parce que bah, j'ai rien d'autre au niveau sourcils en petit prix. Donc je l'aime beaucoup celui-ci, même s'il se finit très vite, je l'aime beaucoup. C'est des petits doubles en bout comme ça. Est-ce qu'ils ont un nom? La teinte Medium Brown. On m'a demandé mon avis sur les devoirs, donc... Eh bien, moi, je mets très peu de devoirs. En fait, je suis assez contre les devoirs, puisque logiquement, dans l'éducation nationale, on n'est pas censé donner de devoirs. Il faut le savoir. On a le droit de donner, logiquement, que des leçons à apprendre, des choses à revoir, mais on n'est pas censé donner de devoirs écrits, des exercices à la maison, des choses comme ça. Moi, je suis pas fan pour en donner, sachant que quand j'ai travaillé dans l'éducation, enfin, avant, je travaillais dans le 93, et bah, les enfants étaient quand même assez en difficulté, et souvent personne pour les aider à la maison. Donc, si on leur donnait des exercices à faire à la maison, souvent certains étaient en grosse difficulté. Du coup, bah, ça les mettait encore plus en difficulté à la maison, et ceux qui étaient en avance et qui avaient des parents présents, et bah, eux, ça allait. Et du coup, ça creusait les inégalités, je trouve.
Mais je donnais quand même quelques leçons à revoir. Parfois, je donnais une petite multiplication, des choses comme ça. Et encore aujourd'hui, même si j'ai changé de quartier, que je travaille plus du tout dans le 93, je suis un peu dans cette optique-là. Je suis pas fan des devoirs, en fait, en général. Je trouve que, voilà, faire réviser des leçons, relire un peu ce qu'on a fait, relire un texte qu'on a travaillé en classe, c'est très bien. Ça leur fait travailler la lecture. Si les parents veulent aller plus loin, bah, s'ils veulent, mais redonner plein d'exercices à faire. Il y a des enseignants qui donnent des fiches à faire complètes, exercice numéro 5, 6, 7, 8 pages, machin. Moi, je ne comprends pas. J'ai plus l'impression que quand les enseignants font ça, c'est pour rattraper ce qu'ils n'ont pas pu faire en classe, en fait. Alors que c'est pas du tout ça le concept. On n'est pas censé donner des choses à faire à la maison, en tout cas. Et logiquement, je crois que les enfants doivent avoir 15 à 20 minutes de devoirs par jour, c'est-à-dire à relire un texte, etc. Mais ils sont pas censés faire plus de devoirs que ça. Je sais que beaucoup de parents veulent des devoirs. Moi, cette année, par exemple, c'est les parents qui m'ont réclamé des devoirs et m'ont dit que j'en donnais pas assez, que ça les agaçait. Et du coup, bon, j'en donne un peu plus, mais moi, j'en donne pas beaucoup, beaucoup plus non plus, puisque c'est pas mon truc. Je suis pas pour. Donc, vous me direz, vous, si vous êtes enseignante ou si vous êtes parent, n'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous pensez des devoirs, si vous en donnez beaucoup, si vous êtes enseignante ou pas, et en tant que parent, si vous aimez bien quand vos enfants ont des devoirs ou pas. Pour les yeux, je vais pas faire grand chose en fait, vous allez voir, je vais juste mettre un peu de bronzer au niveau du coin externe. Au niveau du coin interne, je vais mettre le fameux highlighter là, et après, je vais mettre quelques petites paillettes parce que j'ai reçu un lot comme ça de chez Biss avec plein plein de paillettes. Et je voulais faire un petit look pailleté, je sais pas, peut-être avec les paillettes dorées qui sont ici là. Je sais pas si vous les verrez. En tout cas, la boîte et tout, c'est sympa pour ranger. Au moins, toutes mes paillettes sont au même endroit. Il y a différentes formes de paillettes. Vous pouvez les utiliser sur le corps et sur les yeux. Je trouve ça pas mal. Je pense que je vais utiliser les toutes fines là qui sont là, dorées. Je sais pas si vous les verrez. Je pense que je vais faire ça. Donc, je vais mettre quelques petites paillettes avec la base à paillettes. Là, il y a une colle à paillettes ici. Et je vais faire ça. Et après, un liner noir. J'ai enfin eu, grâce à la marque, un liner noir. Je vais vous le montrer. Vous savez, les fameux liners noirs comme ça, en pot. Avec un petit pinceau et le pot, il est où? Dans mon bazar à côté de moi. Voilà le petit pot. Donc je vais enfin pouvoir tester ce style de liner noir. J'ai peur parce que j'ai jamais trop testé ça. Mais voilà, je vais faire un make-up simple avec ça. Je me dis que ça peut peut-être passer. Alors on me demande, en dehors du projet Harry Potter, est-ce que j'ai d'autres activités qui peuvent intéresser mes élèves en classe? Alors là, c'est ma première année où je fais le projet Harry Potter, mais sinon j'essaie toujours de trouver des activités, des thèmes, des livres. Souvent, je pars de la littérature de jeunesse pour intéresser mes élèves et partir sur des livres. Par exemple, avant de commencer Harry Potter, avec mes élèves, cette année, on a travaillé sur Martin et le Colibri, qui est un livre très 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 sympa. Je l'aime beaucoup parce qu'il travaille plein de compétences, il permet de parler de voyages, il permet de travailler le dessin. En fait, en littérature, quand on commence un thème, on peut vraiment partir sur plein plein de thèmes, que ce soit en sciences, en art, en maths, on peut vraiment tout travailler. Par exemple, on a travaillé du coup un petit peu les oiseaux, les migrations des oiseaux, etc. Donc, c'est vraiment très très sympa de pouvoir faire ça juste à partir d'un thème. Donc, à chaque fois, même là, sans parler d'Harry Potter, à chaque fois que j'ai un thème particulier, eh bien, je pars d'un livre de littérature de jeunesse souvent et puis après je dévie sur plein plein d'autres choses pour intéresser mes élèves. Comme ça a un côté un peu fédérateur. On me demande aussi si je suis satisfaite de mes conditions de travail. Et ben écoutez, ma foi, oui. Je suis plutôt bien dans mon école, je suis plutôt bien dans la ville où je suis. Je trouve que bon, on est pas mal lotis en tant qu'enseignant. Moi, j'ai pas trop à me plaindre. Forcément, il y a des choses qui ne vont pas, hein, comme dans tout métier. On aimerait bien améliorer certaines conditions de travail. Mais honnêtement, de façon globale, je suis plutôt conquise. Je sais qu'il y a beaucoup d'enseignants qui ont envie de changer de voie au bout d'un certain temps parce qu'ils n'en peuvent plus. Il y a des choses qui vont pas et ça change pas, etc. Sûrement, sûrement. Pour l'instant, moi, honnêtement, j'ai rien à dire de particulier à ce niveau-là. J'ai pas envie de changer de métier. C'est vrai que c'est un travail assez intensif, mais pour l'instant, j'aime beaucoup parce que tous les ans, c'est jamais la même chose. Tous les ans, on fait de nouvelles découvertes, donc moi j'adore. En muqueuse, je vais mettre un petit crayon noir que j'ai découvert sur le site aussi Biss. C'est le 102 Black with Sliver Glitter. Donc dedans, il y a des paillettes. C'est un noir avec des paillettes, logiquement un peu argenté, mais bon, ça ira très bien pour ce que je veux faire. Donc là, je vais en mettre en muqueuse. Ça va, il a l'air bien gras, donc ça c'est pas mal parce que j'avais peur. Et ensuite, je vais mettre ma colle pour les paillettes.
On voit quand même pas mal les paillettes. Je suis étonnée. Je pensais pas qu'on allait vraiment les voir, les paillettes, dans le crayon, là. Ça, c'est pas mal. Ils m'ont demandé comment j'ai su que ce métier était fait pour moi. C'est trop marrant, cette question. Vous êtes nombreuses, du coup, à me l'avoir demandé. Et ça m'intrigue assez. C'est pas mal. Mais, oula, catastrophe, j'ai mis de la colle un peu partout. Alors, est-ce que ce métier, comment j'ai su? En fait, c'est en travaillant dans les écoles primaires, comme je vous ai dit tout à l'heure. J'ai donc été AVS dans les écoles CLIS avec les enfants handicapés, donc dans les ULIS actuellement, maintenant ça s'appelle ULIS et plus CLIS. Et j'ai adoré travailler avec les enfants autistes, handicapés, etc. J'ai adoré voilà, travailler dans des écoles, dans une école primaire. J'en ai travaillé dans plusieurs écoles, je tournais en fait. Et j'ai adoré, et du coup ça m'a donné envie de me lancer dans ce métier. Donc c'est pour ça que je me suis lancée dans l'enseignement et que j'ai passé ensuite le concours, parce que le fait d'avoir vu comment ça se passait, d'avoir travaillé avec des enseignants, etc., d'avoir vu leur investissement, bah ça m'a donné envie. Je pense qu'il est important de faire ce genre de stage ou en tout cas de travail préliminaire pour se lancer dans l'enseignement. Il y en a qui se lancent dans l'enseignement mais qui n'ont jamais été dans une classe, et après bah ils se prennent une claque parce que bah c'est pas comme ça qu'ils pensaient. C'est pas, ils pensaient que c'était comme ci comme ça. Ils ont pas vu que c'était du boulot, ils ont pas vu que c'était comme ci ou comme ça, et ça leur correspond pas. Donc je pense que c'est important quand même de d'abord faire une sorte de stage, ou en tout cas de voir un peu avant de se lancer dans le concours. Là, je passe aux paillettes. Pas facile avec le petit packaging, mais bon, on va peut-être y arriver. C'est des petites paillettes dorées, là, j'ai décidé. Ouais, je suis toujours dans le doré. J'avoue que j'aurais pu faire argenté pour changer. Ça aurait peut-être été mieux avec mon pull, mais bon. Mais dans un petit pot, c'est plus pratique, je pense. Oh, je vais avoir pas mal de chutes. Oh là là. J'espère qu'ils vont partir, les chutes. On va voir ça. Bon, j'ai rajouté un peu de colle à glitter de ce côté-là, et du coup ça tient mieux et il y avait moins de chute. Mais bon, j'en ai quand même de ce côté-là, du coup, vu que j'ai un peu raté mon coup. J'aurais peut-être dû faire argenté, ouais, ça aurait peut-être été mieux pour changer un peu du doré, parce que je vous fais que des tutos avec du doré. Bon, c'est pas grave, hein. Vous m'en voudrez pas. Voilà, j'ai juste mis des paillettes, hein, rien d'extraordinaire. Maintenant, je vais faire le liner là. Et puis ça va peut-être changer un petit peu la donne. Et je vais mettre le mascara. Je voulais rebondir aussi sur un petit truc. Alors c'est pas facile de se maquiller, de répondre à des questions, être concentré, etc. Pardonnez-moi. Mais vous avez été nombreuses à me dire merci grâce à mes vidéos. Vous vous êtes lancées dans le concours de professeur des écoles. Et ça, c'est assez. Ça m'a fait vraiment beaucoup plaisir quand vous me dites ça, parce que je suis assez épatée de voir que ce que je vous montre en vidéo, bah, ça vous donne envie. Ça vous motive, et ça me fait plaisir, parce que ben, moi je me rends pas forcément compte quand je fais des vidéos où je parle de mon métier. Et je suis contente de voir que ça motive certaines personnes, que ça les booste dans leur concours. J'aimerais bien vous faire d'autres vidéos un petit peu plus structurées, des vidéos un peu plus sympas. Je réfléchis à ça, c'est pas forcément facile de se concentrer, d'avoir le temps de faire tout ça. Donc je vais essayer. N'hésitez pas, si vous avez des idées d'ailleurs de vidéos, hein, à me donner. C'est pas facile de faire un trait fin avec ce pinceau-là. C'est pas ultra précis comme liner, mais bon. Oh, le liner est une véritable catastrophe. Oui, je pense qu'il faut que j'achète le petit produit qu'utilise Marion Caméléon pour un peu fluidifier le liner, et peut-être un pinceau adapté au liner, parce que celui-là, il me paraît un peu. En fait, il a mis beaucoup de matière, et après, c'était pas possible d'avoir quelque chose de précis. Donc là, le liner n'est pas terrible, ne m'en veuillez pas. Mais c'était une catastrophe. C'était la première fois que j'utilisais ce genre de choses. Et pas facile, pas facile, pas facile. Mais bref, j'essaierai de vous mettre un peu le tuto de Marion, où elle fait on va dire ce style de make-up. Hein, je me suis un petit peu inspirée, où elle fait vraiment un qu'un trait de liner avec des paillettes. Bien sûr, ces paillettes sont fabuleuses. Ce sont des paillettes Anastasia Beverly Hills, mais ne sont plus dispo nulle part, donc j'ai pas pu les avoir. Et puis de toute façon, ça allait pas dans le petit prix. Là, j'ai tenté avec du petit prix, ça rend pas pareil. Ça, je pense qu'il faut que j'achète le produit. Je crois que chez Makeup Revolution, il y en a un qui ressemble, qui permet de rendre un peu liquide bah, les matières que vous avez comme ça, que ce soit poudreuse ou des matières un peu crème, mais assez compactes. Donc j'achèterai ça la prochaine fois pour tester. Mais voilà, au niveau du mascara, alors au niveau paillettes, je vous ai pas dit, mais j'avais reçu ça aussi de la marque. Je pense que je testerai dans une prochaine vidéo. Je voulais tester et comparer avec les fameux produits de chez Urban Decay. Vous savez, les espèces de grosses paillettes comme ça, Ivy Metal, que vous pouvez mettre ici par exemple pour décorer un make-up et tout. Voilà, je testerai prochainement. Je pense que je me ferai un make-up dans les tons argentés. J'aurais dû d'ailleurs aujourd'hui. Quel nul! Bref, donc je crois que j'ai répondu à toutes vos questions. Si vous avez d'autres questions sur le métier de l'enseignement, n'hésitez pas à me le dire d'ailleurs, hein, ça m'intéresse. Et puis si vous avez des idées surtout, n'hésitez pas à me le dire. Au niveau du mascara, c'est celui-ci, le Super
slime, hein, je pense. Micro brush, donc il promet volume, multiplier les cils et no flaking or clubbing, clumps. Alors, ça aurait été sympa en français, mais donc il promet volume. Je pense sans pâté ou choses comme ça, quoi. Je pense que c'est ça. Il est tout petit, c'est plutôt marrant. La taille du mascara, on dirait un mini. Oh là là! Effectivement, elle est rikikite. Elle est rikiki. Alors, voyons voir, parce que moi, je suis difficile en mascara, puisque j'étais tout petit cils. Alors, pas mal. Il attrape bien les cils. Alors, pour un tout petit micro mascara comme ça, il attrape très bien. Oh, mais il m'a l'air prometteur, dis donc. Ça fait des cils un peu écartés. Comme si j'avais mis des faux cils. Alors ça donne pas... Oh si, ça donne un peu de longueur quand même. Pas beaucoup beaucoup de volume, mais quand même. Ouh, je me dis qu'en travaillant ça, il a l'air prometteur. Oh, je suis assez épatée. Non mais je suis assez épatée. Là je vous rapproche, vous voyez les deux. Vous voyez déjà quand même, il a fait un super effet malgré la toute petite brosse là. Il attrape super bien les cils, je suis assez épatée. Mais il me bluffe ce truc là. Oh là là. Je l'utilise sans base. Alors moi d'habitude j'utilise toujours une base, soit Dior, soit celle de chez Essence pour donner un peu de volume. Là, sans rien, je suis épatée parce qu'il définit super bien mes cils. Ouais, vous voyez quand même bien la différence. Il définit bien les cils. Alors certes, mes cils sont pas très longs, hein. Il va donner un peu de longueur, mais pas plus que ça non plus, hein. Mais je suis assez épatée. Il est super sympa. Oh là là, coup de cœur. Vous voyez la différence quand même, là et là. Petite découverte plutôt sympa ce petit mascara là, super slime. Et bah écoutez, je l'aime énormément, je trouve qu'il fait des très beaux cils. Moi qui ai des tout petits cils, pas trop volumineux, pas très longs, bah il a fait un bel effet. J'ai hâte de le retester encore et encore, je suis assez contente. Au niveau des lèvres, j'ai reçu deux produits lèvres, donc je ne sais pas lequel je vais tester. On a un rouge à lèvres, comme ça c'est des couleurs que j'aime beaucoup, un joli rouge à lèvres. Regardez-moi cette teinte qui est sublime, une très très belle couleur. Et puis alors, pigmenté, il glisse super bien sur la main. Donc c'est le Luxe Lips Ultra Matte Lipstick. Et après j'ai reçu aussi un Powder Lipstick, une sorte de velvet pour Velvet Effect, hypoallergénique, et sous forme de crayon comme ça. Donc je ne sais pas du tout, je pense que je vais utiliser les deux. Je vais d'abord utiliser celui-ci là. Celui-ci c'est de la marque Belle, mais ça se vend aussi sur le site Biscosmétique. Donc je vais tester d'abord celui-ci parce que il m'intéresse, et puis après je mettrai une couche de l'autre, je pense. En tout cas c'est des jolies couleurs. Un nude, parfait, il est très beau. C'est vraiment le genre de couleur, on dit c'est la couleur de mes lèvres en mieux, ben, c'est trop ça. Il est hyper doux, hyper crémeux, il s'applique super bien, voilà, c'est le genre de crayon. Que de rouge à lèvres que vous glissez dans le sac à main et vous le laissez comme ça dès que vous avez besoin de faire une retouche. Il est trop beau. Oh, il est trop trop beau. Et on va quand même mettre une couche de celui-ci par-dessus histoire de faire un petit effet un peu soutenu. Mais il est très très beau. Celui-là, il est un tout petit peu plus soutenu, mais il est trop beau aussi. Ah, vraiment deux couleurs magnifiques. Ben, je suis assez étonnée des produits Biscosmétiques. Vous me direz ce que vous en pensez. Déjà, W7, ça m'avait assez conquise. Je me suis dit, hein, c'est un petit prix, on peut trouver des petites merveilles. Mais là, Biscosmétiques, bah. Il y a des petits produits sympas avec des choses où vous pouvez faire des make-up un peu différents. J'ai pas testé les palettes Biscosmétiques, mais peut-être un jour. N'hésitez pas à m'en conseiller si vous en connaissez. Là, j'avais envie de tester tout ce qui est paillettes. Je sais qu'ils ont des jolies paillettes et tout. Donc, elles sont pas mal. Elles se travaillent bien. La colle à paillettes tient plutôt bien quand on la met bien. Il faut être un peu généreux. Mais ça tient bien. Le liner, je suis pas conquise. Hein, vous l'avez compris, je suis pas du tout conquise. Le concealer, la lenticerne, pas du tout non plus. Mais le teint, le sérum de teint qui est vraiment bien avec cette texture assez fluide. Les rouges à lèvres sont très bien. Qu'est-ce que j'ai testé de la marque? Le... Comment on appelle ça? L'enlumineur est sublime. Je vous mettrai les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. En tout cas, voilà pour le make-up du moment, du jour. Avec des choses petit prix. Honnêtement, ça rend pas mal en vidéo. En tout cas, avec des choses à petit prix. Là, comme ça, je pense qu'il n'y en a même pas pour une vingtaine d'euros. 30 euros grand max pour tout ce maquillage. C'est vraiment très sympa. Encore une fois, les pinceaux BH Cosmetics sont très très bien. Vous les avez vus un petit peu en action, mais ils sont très très doux. J'ai pas tout utilisé parce que j'en ai pas eu besoin de tout. Mais je sais que c'est des pinceaux que je vais adorer. Donc, je suis trop contente de les avoir, surtout pour le prix. Et vous les trouvez sur le site Beauty Bay. Sachez que sur le site Beauty Bay, vous n'avez pas non plus de frais de douane pour l'instant. J'en ai pas eu à chaque fois que j'ai commandé.
Je ne sais pas si ça viendra, mais en tout cas, pour l'instant, je n'en ai pas eu. Voilà pour le make-up d'aujourd'hui. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez aimé cette petite FAQ, ce petit make-up petit prix, ce petit make-up tout court. N'hésitez pas à réagir comme d'habitude en commentaire et à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous fais des gros gros bisous et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Salut!